la journée du 2 juin 2005 a vraiment été une très grande journée pour Ben Weider. Cette journée du 2 juin à Illkirch doit être marquée d'une pierre blanche. Personnellement, je trouve cette thèse tout à fait sérieuse. Je crois qu'elle est incontournable. L'arsenic, de forme minérale, a été utilisé comme agent toxique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue dans le laboratoire Chemtox. Nous allons débuter cet après-midi par un événement, une conférence de presse, avec la révélation des dernières analyses sur l'empoisonnement ou la piste criminelle de l'empoisonnement de l'empereur. Pour introduire la partie scientifique, je donne tout de suite la parole à monsieur Jean-Claude Damamme, un historien. C'est également le représentant français de la Société Napoléonienne Internationale. Monsieur Damamme, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de vous présenter les excuses et les profonds regrets du président Weider qui a eu une double pneumonie et à qui son médecin a interdit de faire des voyages long courriers. Il est totalement remis, donc il m'a chargé de le représenter. Alors je me permets également de vous exprimer sa profonde tristesse parce que cette journée représente pour lui l'aboutissement de 40 ans d'efforts pour faire reconnaître et admettre cette thèse de l'empoisonnement que le docteur Kintz exposera tout à l'heure. Alors, il avait préparé une petite allocution qu'il m'a chargé de lire à sa place. Lui, vous l'aurez récité par cœur parce que c'est un homme courtois. Moi, je suis obligé de la lire et je vous prie d'en excuser. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence. Ceci est pour moi un grand jour, car le combat qui vient de s'achever a commencé il y a 45 ans, lorsque mon regretté ami suédois Sten Forshufvud et moi avons décidé d'exaucer un souhait exprimé par Napoléon, qui voulait que la cause de sa mort fût connue pour que son fils prît les précautions nécessaires afin d'éviter d'être atteint par la même maladie. C'est mon ami Sten qui, le premier, soumit un cheveu de Napoléon au directeur du département de médecine légale de l'université de Glasgow, le professeur Hamilton Smith. C'était en 1960. L'analyse démontra la présence d'une grande quantité d'arsenic dans ce cheveu. Mais néanmoins, jamais nous aurions imaginé qu'il serait aussi difficile de faire admettre un fait scientifiquement prouvé. Après la disparition de mon ami, j'ai continué dans la même voie. Je souligne que n'étant pas français mais canadien, je n'ai été et ne suis toujours sous l'influence d'aucun préjugé, d'aucune arrière-pensée politique, culturelle ou historique. Seuls les faits m'intéressent. J'ai alors par deux fois confié des mèches de cheveux de Napoléon au FBI, dont le laboratoire de toxicologie arriva au même résultat que celui de Glasgow. Mais les historiens napoléoniens français exigèrent des analyses faites en France. J'ai relevé leurs défis et remis d'autres cheveux au docteur Kintz, toxicologue de réputation internationale. Cela ne changea rien, les mêmes historiens continuèrent de nier et de ridiculiser les résultats obtenus par les chercheurs. Ces historiens avaient décidé une fois pour toutes que Napoléon était mort d'un cancer héréditaire de l'estomac. Une hérédité, je le souligne au passage, rejetée par l'éminent cancérologue et membre de l'Institut qu'est le professeur Lucien Israël. On peut comprendre que certains historiens Napoléon soient irrités que deux amateurs, un Suédois puis un Canadien, aient découvert sous le plus grand homme de l'histoire de France un fait important qui leur avait échappé. Mais j'ai du mal à comprendre qu'ils aient osé réfuter des arguments scientifiques auxquels ils ne comprenaient rien. D'autres analyses conduites selon une méthode différente furent effectuées par le docteur Kintz avec le laboratoire de toxicologie de l'université du Grand-Duché de Luxembourg et le professeur Robert Wennig. Cette nouvelle série d'analyses confirma toutes les précédentes, mais en outre, elle démontra sans ambiguïté que l'arsenic se trouve au cœur du cheveu, ce qui infirme catégoriquement l'hypothèse soutenue par les historiens napoléoniens français qui veulent que l'arsenic trouvé dans les cheveux de l'empereur soit dû à des produits de conservation. Le docteur Kintz et ses collègues du laboratoire Chemtox viennent d'affiner leurs recherches et ils apportent aujourd'hui des informations complémentaires sur la nature de cet arsenic. Après ces analyses, le doute n'est plus permis. Napoléon a ingéré de grandes quantités d'arsenic et je rappelle à ce sujet que si chacun de nous a de l'arsenic dans ses cheveux, cette dose naturelle est de 0,35 nanogrammes par milligramme. Chez Napoléon, cette dose est jusqu'à 36 fois supérieure. Au vu des résultats obtenus et confirmés aujourd'hui, toute personne honnête, évidemment, ne pourra plus contester ce fait. Le docteur Kintz est un grand scientifique et un expert toxicologue international de renom. Sa tâche a consisté, à déterminer si Napoléon avait été ou non victime d'une intoxication à l'arsenic, pas à dire pourquoi, ni à désigner un coupable. Je suis donc, l'allocution se terminait comme cela, je suis heureux de donner la parole à celui qui, une fois pour toutes, apporte la certitude d'un empoisonnement criminel de Napoléon. Et le président Weider terminait en disant « Je lui laisse la parole ». C'est ce que je suis heureux de faire à sa place. Merci. Un tout petit peu d'histoire avant de commencer. Napoléon est né le 15 août 1769 en Corse. À près de 30 ans, il devient premier consul de France. Le 2 décembre 1804, il est sacré empereur. 2 décembre 1805, une année plus tard, c'est la victoire d'Austerlitz. En 14, c'est l'exil sur l'île d'Elbe. Le 1er mars 1815 auront lieu les 100 jours. La fameuse bataille de Waterloo aura lieu le 15 juin 1815 et en 1815, il part le 7 août vers l'île de Sainte-Hélène. Il arrive quelques semaines plus tard, le 15 octobre, sur une île perdue au milieu de nulle part. Elle mesure 122 km², elle est à 1800 km de l'Afrique et à 3500 km des côtes du Brésil. L'île de Sainte-Hélène est gardée par une garnison particulièrement importante. On parle de 5000 soldats, 500 canons et d'une flotte en perpétuelle manœuvre, à bâbord comme à tribord. Pourquoi entretenir une garnison de, disons, 6 ou 8 000 hommes, plusieurs navires de guerre, demander de faire construire un phare pour garder un homme qui n'est plus une menace? Je veux dire, il y a dans ce propos une absurdité totale. Voici d'autres vues de l'île de Sainte-Hélène. Vous voyez que la végétation, certes, peut être luxuriante. On dit qu'il pleut très souvent à Sainte-Hélène. Voilà des images de là où sera, en quelque sorte, emprisonné ou en villégiature, selon la façon dont on se place, l'empereur. C'est à Longwood House. Sur place, et c'est un peu grâce à eux que l'on obtiendra un certain nombre d'informations, il y a Charles Tristan de Montholon, dont on reparlera longuement par la suite, en particulier depuis les révélations de son descendant. Les mémoires de Marchand, publiées dans leur première version en 1952, et puis les cahiers de Sainte-Hélène du général Bertrand. Si aujourd'hui nous connaissons ce qu'a été la fin de cet homme prodigieux, c'est uniquement à la détermination de Ben Weider que nous le devons. L'empereur va décéder le 5 mai 1821. En 1961, Sten Forshufvud, repris par la suite par Ben Weider, dont vous avez ici une photographie, attribue le décès à un empoisonnement par l'arsenic. Il semble que le modus operandi soit le vin de Constance. Et ces deux hommes vont donner un certain nombre de raisons. Tout d'abord, la vengeance de Montholon à cause de son renvoi en 1812. Également, probablement, puisqu'on est dans une affaire presque dite d'État, un problème de jalousie lié à la liaison entre Napoléon et la femme de Montholon, Albine. Et puis également pour avoir un décor complet d'une situation qui est tout à fait médico-légale, je pourrais le dire, il y a également l'argent, puisque Montholon devait hériter de 2 millions de francs or au décès de l'empereur. On peut également parler d'une conspiration entre le gouverneur anglais, Hudson Love, qui aurait été sous les ordres de Lord Bathurst, ministre des colonies, et puis le futur roi Charles X, c'est-à-dire le comte d'Artois. Quand on franchit la Manche, on trouve un historien anglais très réputé, qui est décédé il y a fort peu de temps, qui s'appelait David Chandler, qui était un professeur à l'Académie militaire britannique de Sandhurst. Il avait suivi la thèse, et bien entendu, comme tout le monde, au départ, il lui était hostile, tout en suivant progressivement les analyses, d'abord celle de Glasgow, puis celle du FBI, puis celle de Strasbourg. Il en était quand même arrivé à la conclusion que Napoléon n'était pas mort de mort naturelle. C'était dans le Sunday Times du 12 janvier 2003. Il avait déclaré « Il est clair maintenant que Napoléon a été empoisonné. J'accepte ce fait, quoique pendant des années, j'ai eu des doutes à ce sujet. » Il précisait quand même, mais il reste à éclaircir qui est le ou qui sont les coupables. Ça, c'est évidemment la question à laquelle personne ne peut répondre. David Chandler, sur le Premier Empire, est un homme qui était considéré de l'autre côté de la Manche comme une véritable référence. Le décor étant planté, il faut revenir à la science. Et la science, c'est la description des observations de l'autopsie de l'empereur. Antomarchi, dans ses mémoires, va décrire pas à pas les différentes étapes de l'autopsie. Vous avez ici les instruments qui ont servi à l'autopsie de l'empereur. Quelques éléments rapides, ce ne sera pas très dangereux pour les yeux. Il semblerait que, au moment de l'autopsie, le sujet soit amaigri, en particulier par rapport à son arrivée sur l'île, ce qui a fait récemment dire que, puisque ses pantalons avaient des tailles qui devenaient de plus en plus faibles, que l'empereur était mort d'un cancer. Je ne souscris absolument pas à cette thèse. Ce n'est pas à la taille d'un pantalon que l'on peut dire qu'un individu souffre d'un cancer. La présence de liquide de couleur citrine est notée dans les cavités pleurales, des nodules dans les poumons, probablement un reste de tuberculose. Le cœur était normal, pas de péritonite, une congestion du foie et de la rate, très certainement une hépatite chronique. Et puis une chose très importante, l'estomac présentait un ulcère et cet ulcère était bouché par le lobe gauche du foie. Le bilan autopsique est donc représenté sur cette diapositive. Voilà ce qu'est, alors ça n'est bien évidemment pas l'ulcère de Napoléon, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, mais voilà ce que c'est qu'un ulcère bouché, c'est en fait un trou dans la paroi gastrique. L'empereur avait des lésions pulmonaires et gastriques, probablement d'une tuberculose, personne n'est capable de dire si elle était encore active, et un ulcère perforé. Il est tout à fait possible, et personne ne l'exclut, que les tissus étaient également cancérisés. En tout cas, le docteur Paul Fornès, du Centre européen Pompidou à Paris, dit « Ces lésions ne sont pas suffisantes pour expliquer le décès. Se surajoute très certainement une intoxication chronique par l'arsenic, et puis également deux éléments dont on n'a pas tellement tenu compte et qui vont enfin être révélés par les analyses de Chemtox tout à l'heure, c'est le problème de l'intoxication aiguë, à la fois par le mercure, présent sous forme de calomel. À l'époque, la théorie était que quelqu'un qui est malade, il faut éliminer au maximum les toxiques présents dans l'organisme. Eh bien, on va donner un purgatif qui renferme du mercure, et puis on va donner un vomitif, le tartare émétique, qui contient de l'antimoine. Retenez bien mercure et antimoine. Et puis, malheureusement, dans ces genres de situations, l'empereur était particulièrement déshydraté. C'est pour ça qu'il a reçu du sirop d'orgeat en quantité très importante. Le sirop d'orgeat contient de l'amande amère qui va réagir chimiquement avec le calomel pour donner des cyanures. Donc on a une cause tout à fait chimique du décès. Et finalement, les causes de la mort sont les cause de la mort, et non pas LA cause de la mort, un problème d'hémorragie digestive, des troubles métaboliques, un dysfonctionnement électrique du muscle cardiaque, c'est-à-dire qu'en fait, le cœur ne fonctionne plus comme une pompe, une insuffisance rénale. On va parler en fait d'un effondrement des fonctions vitales renforcées par l'arsenic. Parmi les autres thèses, alors non plus de l'empoisonnement, mais pour expliquer la mort de Napoléon, c'est-à-dire en fait pour anéantir la thèse de Ben Weider, il me souvient d'une déclaration faite par M. Lentz, pour ne pas le nommer. M. Lentz avait déclaré à Sao Paulo, je cite parce que c'est une dépêche de l'AFP, « Napoléon n'est pas mort empoisonné, il est mort de chagrin et d'ennui ». Et ceci m'amène une autre réflexion, c'est que l'historien bien connu, Jean Tulard, déclarait à Nice Matin, un historien n'affirme jamais rien sans preuve. Mais où est la preuve scientifique de la mort de Napoléon par ennui et par chagrin? Quelle est en fait la place de la toxicologie? Elle est majeure dans cette affaire, comme on retrouve la toxicologie dans la plupart des affaires médico-légales. Un mot simplement sur le cheveu, tout le monde le sait, le cheveu pousse de la racine vers la pointe, avec une vitesse d'environ 1 cm par mois. Ce qui veut dire que chaque centimètre de cheveux représente un mois de pousse, et donc la mémoire d'une exposition chronique ou répétée. Et si on s'intéresse au passé d'un individu, eh bien plus on remonte vers la pointe, plus on va obtenir des informations de ce type-là. Mais ce qui est important également, c'est de se rendre compte comment un médicament, un toxique, peut être incorporé dans les cheveux. Il y a effectivement 3 voies d'incorporation, une au niveau du sang, et qui va s'incorporer au centre du cheveu. On va parler de la médulla, et on verra tout à l'heure pourquoi c'est important que le sang, qui signe un usage actif, donc qui est passé dans l'organisme, a tout son intérêt. La sueur et le sébum sont également liés, puisque ce sont des filtrats du sang. Et enfin, le problème de la contamination externe, c'est-à-dire sur l'enveloppe du cheveu, l'enveloppe externe, les fameuses écailles que l'on voit dans certaines publicités de shampoing. Alors, tout le monde a de l'arsenic dans ses cheveux. Globalement, on considère que les concentrations normales sont inférieures à 1 nanogramme d'arsenic par milligramme de cheveux. C'est vraiment la valeur haute. Vous voyez, les concentrations moyennes, selon certains auteurs, sont plus proches de 0,2, 0,3. Mais enfin, les toxicologues admettent 1 comme seuil de positivité. Alors, historiquement, eh bien, dès 1961 et 1962, à Londres, l'université de Glasgow mettait en évidence, dans l'échantillon Noverraz, de l'arsenic, vous voyez, très largement supérieur aux concentrations admissibles. Ben Weider a transmis au FBI des cheveux et les résultats ont été publiés en 1999. On retrouve dans des mèches appelées Lascaze de l'arsenic, 16,8, 33,3, preuve d'une intoxication chronique. À ce moment-là, on ne peut parler que d'intoxication chronique à l'arsenic et bien loin mon idée de parler d'empoisonnement à ce moment-là. En 2001, nous avons réalisé une première série d'analyses, je vous les rappelle simplement, en utilisant la spectrophotométrie d'absorption atomique, en ne cherchant donc que l'arsenic, sur des mèches essentiellement coupées le lendemain de la mort de l'empereur, Vignali, Hollande, Noverraz ou Louis Marchand. Voilà comment se présentaient les cheveux analysés, Abbé Vignali, vous voyez quelques cheveux, Lady Hollande également quelques cheveux. Une méthode très simple, décontamination, c'est-à-dire nettoyage des cheveux. On les prépare, à cette époque-là, on les hydrolysait, on les dissolvait en quelque sorte dans de la soude, et puis on les dosait par absorption atomique. Voilà les résultats. Vous voyez que dans toutes les mèches analysées, les 5 mèches, c'était la première fois qu'un seul laboratoire recevait autant d'échantillons différents, et bien dans tous les échantillons, on avait des concentrations supérieures à 1 nanogramme par milligramme, et on a donc dit, il y a intoxication chronique à l'arsenic. Mais en fait, ces résultats ont été contestés, en particulier par la préfecture de police de Paris, qui a estimé que l'arsenic ne venait pas de l'intérieur du cheveu, mais bien de l'extérieur, d'une contamination externe. Et ça a été publié dans Science et Vie. Pour cela, et pour leur répondre, avec mon ami le professeur Wennig, nous avons travaillé sur une autre approche, c'est-à-dire voir ce qui se passe au centre du cheveu. Donc il y a un point qui est quand même très important, c'est de signaler que la méthode qui a été utilisée par la préfecture de police, mandatée par, théoriquement, le magazine Science et Vie, mais moi je pense plutôt au milieu napoléonien français, qui a conduit le magazine à nous sortir un article qui était censé, je le mets entre guillemets parce que c'est la citation, renvoyer les partisans de l'empoisonnement dans les cordes. Eh bien, il y a un point important qu'il faut souligner, c'est que la méthode en question n'est pas validée par les tribunaux internationaux. Donc si moi je me présente devant une cour d'assises avec cette méthode-là, c'est moi qu'on renverrait dans les cordes en me disant « Monsieur, votre méthode n'est pas bonne, faites-en faire une autre ». En fait, comme je vous l'expliquais précédemment, le cheveu contient en fait une médulla, c'est-à-dire en quelque sorte une moelle au centre qui signe une incorporation active, et puis des écailles qui sont représentatives d'une contamination externe. On a travaillé avec une machine très compliquée qui envoie des ions sur l'échantillon, et ces ions ensuite sont réfractés et permettent de voir à quel niveau se place l'arsenic. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ici un cheveu normal, vous voyez, d'une personne non exposée à l'arsenic. Il n'y a pas de zone particulière d'arsenic, on en retrouve. L'arsenic est représenté par les taches blanchâtres, donc rien de particulier. Et puis voici la distribution d'arsenic dans deux échantillons, l'échantillon Lascaze. Alors certes, la cuticule contient de l'arsenic, mais surtout la médulla. Dans les deux cas, ici Lascaze et Abbé Vignali montre que l'arsenic est bien au centre du cheveu, ce qui démontre un passage obligatoire par la circulation sanguine. Enfin, 2005, la troisième série des analyses, et c'est pour cela que vous êtes ici, dans notre laboratoire. Une nouvelle technologie a été étudiée, c'est le plasma induit couplé à la spectrométrie de masse. Comme il y a spectrométrie de masse, c'est une spécificité absolue. La spectrométrie de masse pour une molécule chimique, c'est comme l'ADN pour un humain. On ne peut pas se tromper. Des échantillons de cheveux complémentaires nous ont été fournis, Abraham Noverraz et le maréchal Bertrand. C'est Ben Weider qui nous les a remis. L'intérêt, et notre challenge en quelque sorte, était de doser simultanément 30 métaux et métalloïdes, et également de faire la différence entre la nature de l'arsenic. L'arsenic existe sous deux formes. Une forme minérale, particulièrement toxique, c'est la mort aux rats. Elle existe sous deux formes, arsenic 3 et 5. Et puis, un autre arsenic, l'arsenic organique, très peu toxique, comme l'arsénobétaïne ou l'arsénocholine, qui vient de l'alimentation. Et en particulier l'alimentation marine, c'est-à-dire les crustacés, les crevettes, les crabes, les poissons. Et on pouvait penser que, puisque l'empereur était sur une île, qu'il s'alimente énormément par ce type de produits, et donc que l'arsenic ne soit pas de l'arsenic minéral, mais qu'en fait on mesure tout simplement ses habitudes alimentaires. Et voilà le challenge, et voilà la question qui nous avait été posée. Alors la méthode analytique, très rapidement, une décontamination, là aussi, pour enlever les polluants de l'atmosphère, une préparation, minéralisation dans un acide, et puis ensuite dosage avec, si vous voulez, une technologie un petit peu lourde, mais surtout, chose très importante dans ce laboratoire, tout est validé par des contrôles de qualité. Et nous avons utilisé deux types de contrôles de qualité, tout d'abord l'un vendu par une société commerciale Promochem, et l'autre par le Centre de toxicologie du Québec, et nous participons régulièrement à des exercices de qualité, ceci pour valider et pour authentifier nos résultats. Voilà les résultats, très rapidement. À côté, Noverraz, le maréchal Bertrand et les normales de notre laboratoire faites sur une population de 65 sujets ayant toutes sortes d'habitudes alimentaires et également tabagiques. Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'à nouveau, avec une technologie totalement indépendante, puisque personne ne l'avait jamais utilisée, on retrouve des grandes quantités d'arsenic, vous voyez, on est très largement au-delà de ce que l'on utilise et ce que l'on voit dans les populations normales. On est en présence sans aucune difficulté dans une situation qui correspond à une intoxication chronique à l'arsenic. À ce moment-là, je ne peux pas encore dire davantage. Et puis vous voyez, des concentrations importantes de mercure, d'antimoine, de plomb et d'argent, toujours des concentrations largement supérieures aux normales acceptables sur une population. Quelques mots pour expliquer ce qui est en particulier nouveau, c'est-à-dire au-delà de l'arsenic. Eh bien, le mercure provient du calomel, c'est du chlorure de mercure qui est utilisé comme purgatif. L'antimoine vient du mélange tartare-émétique, qui est un tartrate d'antimoine et de potassium, qui est un vomitif. Je vous disais qu'avant, il fallait le faire éliminer de toutes les façons possibles les mauvais éléments qui auraient été dans son corps. L'argent, d'où vient cet argent? Sirop de colargol, c'est un antiseptique local, très largement utilisé à cette époque-là. Et puis enfin le plomb, de la litharge, qui est l'oxyde de plomb, qui est utilisé pour adoucir le vin et le porto. Donc le fait de retrouver ce genre de choses nous indique quoi? D'abord les habitudes thérapeutiques de l'empereur, mais surtout, comme elles correspondent en plus à ce qui est décrit par ces médecins, c'est-à-dire l'utilisation en particulier de mercure et d'antimoine, ça renforce l'authenticité des mèches de cheveux. On ne peut pas imaginer avoir des mèches qui contiendraient et de l'arsenic, et du mercure, et de l'antimoine, et de l'argent, et du plomb. Donc on est vraiment sûr, à tel point que la Fondation Napoléon accepte désormais que nos cheveux soient des cheveux authentiques de l'empereur. Ça me paraît improbable que 5 faussaires différents aient produit des cheveux, enfin, dispersés aux 4 coins du monde, et on retrouve exactement les mêmes cheveux prélevés sur la tête du même bonhomme. Ça, ça paraît difficile. Et qui correspondent, comme le disait le docteur Kintz, non seulement l'arsenic, mais les autres métaux lourds trouvés, enfin le plomb, on ne va pas revenir, l'antimoine et autres, qui correspondent très exactement à ce que donnent les témoignages des compagnons d'exil de Napoléon. À chaque fois que le président Weider a, entre guillemets, mis sur le marché scientifique des mèches, tous les historiens napoléoniens patentés se sont levés pour dire « Mais qu'est-ce qui nous prouve que vos cheveux sont vrais ?» ce qui est une très bonne question. En revanche, lorsque le magazine Science et Vie s'est procuré auprès d'un marchand qui a donné ou vendu, enfin si c'est comme c'est un marchand, je dirais plutôt vendu, une mèche de Napoléon pour la faire analyser par la préfecture de police, je n'ai pas entendu dans la presse une seule voix qui se fût élevée pour contester l'origine de la mèche confiée à Science et Vie. Alors, dans ce cas-là, je me dis pourquoi 2 poids, 2 mesures, et dans le cas de l'analyse scientifique de Science et Vie, je vais faire une réponse un peu brutale. Je vais dire simplement que si personne, à l'époque, n'a porté la suspicion sur la mèche de Science et Vie, c'est parce que l'on était certain au départ de ce qu'on allait lui faire dire, et effectivement, on lui a fait dire exactement le contraire de ce que disait le docteur Kintz, chose qu'il vient de réduire à néant, et je pense que tout ça résume très très bien le problème. Alors, deuxième approche, c'était d'identifier la forme chimique de l'arsenic. Je vous disais que l'arsenic minéral est très toxique, et l'arsenic organique, peu toxique, et d'origine alimentaire. Deuxième investigation, on redécontamine, on fait une préparation qui est un petit peu différente, cette fois-ci on incube dans de l'eau, et puis il y a une phase de chromatographie avant le dosage en lui-même. Voilà ce que nous donne la machine, et ceux qui sont intéressés pourront la voir tout à l'heure. Que retrouve-t-on dans les cheveux Noverraz et Maréchal Bertrand? Globalement, le même profil de l'arsenic 3, de l'arsenic 5, leur métabolite, c'est-à-dire leur produit de transformation. On le retrouve également le 3 et le 5. Mais surtout, on ne retrouve pas d'arsenic organique ou en très faible quantité. Plus que 95% de l'arsenic des cheveux de Napoléon est de l'arsenic minéral. Voilà la répartition, donc même 97%, vous voyez, 2%, à peine 2%, c'est de l'arsenic d'autres types, c'est-à-dire de l'arsenic organique. Donc, en fonction du rapport MMA-DMA, nous sommes tout à fait en faveur d'une intoxication chronique, comme c'est décrit à l'heure actuelle par des auteurs plus récents. Alors, et pour conclure, c'est pourquoi et comment l'arsenic. Le toxicologue, ici, s'imagine être en fait un expert judiciaire. Il ne va pas rendre un résultat à un magistrat ou à une cour d'assises. Il va maintenant devoir rendre un résultat à des historiens qui vont discuter ces résultats. Mais seulement, pour discuter ces résultats, il ne s'agit pas juste de donner des résultats bruts et ensuite chacun doit se débrouiller. Non, le toxicologue ici peut interpréter les résultats et essayer d'expliquer le pourquoi et le comment. L'arsenic peut être un agent toxique, bien évidemment, mais pour éliminer et pour se dire, bon, finalement, on n'est pas focalisé sur cette piste criminelle de l'empoisonnement, d'où pourrait également venir l'arsenic? Eh bien, il pouvait être présent dans des préparations pharmaceutiques, la liqueur de Folaire. Aucun historien ne rapporte que l'empereur utilisait de la liqueur de Folaire. Il pouvait être utilisé comme contaminant de l'eau de boisson. Au jour d'aujourd'hui, l'eau de Sainte-Hélène a été analysée. Elle ne contient pas de traces d'arsenic, ou en tout cas d'enrichissement en arsenic. Mais effectivement, ça a été fait plusieurs années après. Et puis, contamination du papier peint, combustion de charbon, traitement cosmétique ou agent de conservation, eh bien, on va discuter et donner les arguments scientifiques pour ne pas laisser ce type de théorie. Quand on regarde le comportement des opposants à la thèse, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé ? Ils nous ont proposé successivement le cancer de l'estomac, qui a été, je dirais, la version historiquement admise pendant très longtemps. La seule chose qui n'était pas acceptable, c'est que l'on nous disait que le cancer de Napoléon était héréditaire. Et le professeur Israël, qui est un professeur émérite de cancérologie et membre de l'Institut, dans une lettre qu'il a adressée à Ben le 6 décembre 2000, a totalement démenti la possibilité d'un cancer. Et deuxièmement, après examen des documents que Ben lui proposait, a accrédité la thèse de l'empoisonnement en lui disant que sa thèse était la bonne. Ils nous ont proposé ensuite les émanations du papier peint, la colle du papier peint, la fumée du poêle. Donc, vous voyez, tous ces petits détails sont intéressants pour montrer la différence qui existe entre la stabilité de l'argumentation, j'allais dire, weiderienne, et l'absurdité des théories diverses prônées par les adversaires. Tout d'abord, le papier peint. Alors, le papier peint, c'est un papier peint vert, de couleur verte. Vous avez ici une reproduction. C'est du sulfate de cuivre mélangé à de l'arsénite de sodium. Sauf qu'à Longwood, il pleuvait beaucoup, et que ce papier peint, en présence d'humidité, va former une moisissure. Et cette moisissure va transformer l'arsénite de cuivre, le pigment, en vapeur d'arsenic, ce qui était en fait la théorie de Jones, publiée en 1982, et devrait se transformer en DMA et en TMA. Oui, mais dans les cheveux de Napoléon, on n'a pas retrouvé de DMA et de TMA, et surtout, on a analysé des cheveux avant sa mort, 1816 pour une des mèches, et le papier peint a été posé en 1819, donc 3 ans après la première mèche. Donc on ne peut pas imaginer que ce soit le papier peint. Les fumées de charbon. Ça aussi, c'est une théorie publiée par Marchand en 1998. Et on pourrait imaginer que l'arsenic dans les cheveux de Napoléon pourrait s'expliquer par une contamination par les fumées de charbon. Cet auteur y a pensé tout simplement parce que c'est comme ça qu'en Inde, en particulier au Bengale, toute une série de populations est intoxiquée par l'arsenic. Le parallèle était alors facile. Simplement, lorsque on a des poussières de charbon brûlées et contaminées en arsenic, on a un petit peu d'arsenic 3 et de 5, mais on a surtout du MMA et du DMA. Et je vous rappelle que dans nos expériences, on avait surtout de l'arsenic 3 et de l'arsenic 5. Certes, ça n'est pas tout à fait le même milieu, les cheveux et les urines, mais il existe un parallèle très fort. Existe le problème de la fumée de charbon. La contamination externe, elle a été avancée par Science et Vie. C'est vrai, L'arsenic est un excellent conservateur, probablement un des meilleurs. Mais s'il y a contamination externe du cheveu, cet arsenic va se déposer en surface. Il ne peut pas aller au centre du cheveu. Et je vous ai déjà montré que l'arsenic était au centre du cheveu. Ensuite, s'il est en surface, cet arsenic, eh bien la procédure de lavage, c'est-à-dire quand on décontamine nos cheveux, doit entraîner de l'arsenic. Et donc notre acétone de lavage doit être enrichi en arsenic. Eh bien regardez, dans la mèche Noverraz, on avait au total 0,45 nanogrammes dans tout le bain d'acétone, et dans la mèche Bertrand, 0,55 nanogrammes d'arsenic. Et je vous rappelle que les cheveux de l'empereur, c'est plusieurs dizaines de nanogrammes par milligramme de cheveux. Il n'y a pas de contamination externe liée à l'arsenic. En définitive, que reste-t-il? Ça n'est pas une préparation pharmaceutique, la liqueur de Folaire, non. L'arsenic n'est pas un contaminant de l'eau de boisson, encore que, on pourrait imaginer que les sources changent au cours du temps, ça n'a jamais été observé, mais on ne sait jamais, on ne peut pas fermer cette porte. Contaminant du papier peint, non. Résidus de combustion du charbon, non. Traitement cosmétique, certainement pas. Agent de conservation, non. Il n'y a pas de contamination externe. Eh bien voilà, la preuve est faite. L'arsenic, de forme minérale, a été utilisé comme agent toxique. Et je conclurai donc là-dessus, sur cette nouvelle série d'analyses réalisées par Chemtox. L'ICPMS nous met en évidence une exposition massive à l'arsenic. Elles sont compatibles, les concentrations mesurées, avec une intoxication chronique par de l'arsenic minéral très toxique. Ça a été fait par la spéciation de l'arsenic. Du fait d'avoir mis en place une étape de décontamination efficace, nous pouvons éliminer toute contamination externe. C'est exactement la même chose comme en médecine légale. On n'a pas changé nos protocoles parce que c'était Napoléon. Et aujourd'hui, quand on veut protéger, en fait, que ce soit les coupables ou les victimes, nous, on n'a pas à se prononcer là-dessus. Il faut que l'on soit le plus rigoureux possible. Et donc, on a utilisé le même protocole médico-légal pour l'empereur que ce que l'on utilise classiquement dans nos expertises. Avec Robert Wennig et l'utilisation de nanosims, on a montré que l'arsenic est au cœur, c'est-à-dire la médulla du cheveu, ce qui implique à nouveau un passage par la circulation générale. Eh bien, en fait, dans tous ces échantillons de cheveux de Napoléon, aujourd'hui on oublie le attribué A, il est retrouvé de l'arsenic minéral, et on est donc sur une piste tout à fait criminelle. Il ne m'appartient pas de discuter le pourquoi. Voilà, je vous remercie. Cette journée du 2 juin à Illkirch doit être marquée d'une pierre blanche. Et je crois que l'ami Ben Weider, s'il avait été ici, aurait été véritablement très content. Mais nous avons beaucoup parlé de lui, il a été très chaleureusement applaudi. Et aussi bien moi-même que M. Damamme et que quelques autres amis, nous avons véritablement parlé et œuvré pour la défense de la mémoire de l'empereur. Là aussi, M. Ben Weider aurait été très content. Je suis directeur de recherche au CNRS. Maintenant, je suis à la retraite, évidemment. Je suis historien de métier. J'ai fait toute ma carrière au CNRS. J'ai travaillé avec Jean Tulard, donc, qui est un personnage connu, qui a été mon parrain au CNRS. Et j'ai travaillé avec lui pendant des années. Et je suis aussi l'un des co-auteurs du dictionnaire Napoléon. Alors, ma position, elle est simple. Elle est celle, vous voyez, de... Là, je vais prendre un tout petit peu, mais un tout petit peu, le contre-pied, en apparence seulement. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que les historiens français, en général, sont hostiles à cette thèse, à la thèse de Ben Weider, j'entends, hein, l'empoisonnement par arsenic. Beaucoup sont hostiles. Mais si vous parlez avec les gens, officiellement, ils sont hostiles, mais lorsque vous en parlez avec les gens, ils vous diront, écoutez, moi, je ne peux pas me prononcer, parce que si je me prononce, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, si je me prononce, il va m'arriver des ennuis. Et moi, je peux témoigner de ces ennuis. Parce que là encore, moi, je ne suis plus un jeune homme. Ça n'a pas d'importance. Moi, il ne peut rien m'arriver. Mais le jour que j'ai dit, avec des gens de l'Institut Napoléon, des gens avec qui je travaillais depuis plus de 30 ans, j'ai dit, écoutez, la thèse de Ben Weider vaut mieux que le mépris. Parce que ce qu'on disait pour le discréditer, c'était l'homme d'affaires canadien. J'ai dit, mais enfin, être un homme d'affaires canadien n'est pas une tare que je sache. Il y a une thèse, c'est autre chose, c'est sur ce travail qu'il faut juger. Eh bien, les micros se sont refermés. Et après des années passées, j'en fais toujours partie de l'Institut Napoléon, mais après des années passées, c'est terminé depuis 2001, lorsque j'ai dit ça, c'était pendant l'hiver 2000-2001, c'est terminé, je n'ai plus le droit de parole, même à l'Institut Napoléon. C'est quand même énorme. Alors, vous prenez un garçon qui a 25, un garçon ou une fille qui a 25 ou 30 ans, qui est au début de sa carrière, il ne peut pas se prononcer, il ne peut pas aller contre ça. Il est coulé d'avance, donc il est obligé de se taire. Même s'il n'est pas d'accord avec la thèse officielle, il est obligé de se taire. Vous voyez, la situation est là. Il y a une thèse, il y a une attitude officielle des responsables qui, eux, sont hostiles. Pourquoi sont-ils hostiles? Peut-être aussi, peut-être il ne faut pas exclure, il y a peut-être aussi un peu de jalousie du fait qu'ils ne l'ont pas trouvé, eux, cette idée-là. Donc ça ne leur plaît pas, c'est possible, je ne sais pas, c'est très difficile de juger les gens. On ne peut juger que sur ce qu'ils disent, ils ne le disent pas. Ils sont hostiles, c'est tout. Personnellement, je trouve cette thèse tout à fait sérieuse. Je crois qu'elle est incontournable. Je réponds avec plaisir à M. de Franceschi, parce qu'effectivement, dans toute cette affaire, disons, d'empoisonnement de Napoléon, pour simplifier les choses, on a assisté de tout temps à ce que j'appelle une médiatisation sélective. J'ai encore en mémoire deux émissions d'une grande station périphérique, au cours de laquelle le directeur de la Fondation Napoléon est venu ironiser, je dirais lourdement, pendant près d'une heure sur la thèse de l'empoisonnement de Napoléon. Et j'ai écrit au responsable de l'émission en lui disant que ces procédés étaient particulièrement malhonnêtes, parce que quand on essaye de démolir un individu, il faut lui donner au moins la possibilité de se défendre par la suite. Et moi, je voudrais terminer simplement parce que cette journée du 2 juin, et quand même ce que j'appellerais la journée de Ben Weider, parce que ça fait 40 ans que cet homme se bat pour faire reconnaître la thèse d'une intoxication criminelle de Napoléon. C'est un mécène. Sa fondation Weider a permis aux étudiants de la Florida State University de créer une chaire d'études du Premier Empire, enfin de la Révolution et du Premier Empire. Il a lutté contre au mieux le scepticisme et au pire, mais je dis bien au pire, contre l'ironie, mais alors vraiment l'ironie la plus basse, et j'ai en tête deux exemples précis que malheureusement je n'ai pas le temps de vous donner, mais qui eussent été particulièrement édifiants, que ce soit dans la théorie de l'empoisonnement ou pour la connaissance de Napoléon. C'est un homme qui fait beaucoup, et je crois que les applaudissements que vous allez donner à M. Weider, il les mérite. Merci. L'enquête, tout le monde finalement reconnaît que l'enquête est sérieuse. On ne peut pas dire le docteur Kintz dit n'importe quoi, ça n'est pas possible. Ça n'est pas sérieux. Il y a beaucoup de points à souligner dans cette affaire de l'empoisonnement. Il y a la médiatisation collective et il y a pratiquement la médiatisation sélective, mais avec diffamation différée, si j'ose dire. J'ai encore en mémoire deux émissions d'Europe numéro 1, consacrée soi-disant à Napoléon et à l'Empire, mais ça a permis à monsieur Thierry Lentz de venir ironiser lourdement sur les empoisonnistes avec l'aide très efficace de son vis-à-vis, qui à mon avis ne jouait plus le rôle de journaliste mais de porte-parole, et ça c'était très désagréable. Alors j'ai un autre exemple qui est tout récent, celui-là, c'est celui de la revue Historia. La revue Historia a été, il y a peu de temps, destinataire d'un dossier de presse qui s'appelait « Empoisonnement de Napoléon, la dernière preuve ». Et la revue Historia m'a renvoyé le dossier de presse en me disant, dans un courrier fort courtois, « Nous envisageons pas de publier cet article ». Bon, Historia, il faut savoir que Historia est un département des éditions Talandier qui est très riche en historiens napoléoniens. Donc, il était hors de question que Historia consacra un article à une thèse de l'empoisonnement que ces mêmes historiens combattent et ridiculisent. Quand on a un exemple comme ça, on se dit qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures et qu'on est victime de la loi du silence. Il faudra donc être bien malhonnête ou bien imprudent pour continuer de suivre certains historiens napoléoniens qui voient dans l'affaire de l'empoisonnement un serpent de mer, ou certains autres qui continuent d'affirmer que Napoléon est mort de sa belle mort. Donc en faisant fi de résultats scientifiques de très haut niveau, donc très complexes, ces historiens napoléoniens, d'une part, manifestent une grande suffisance, ce qui à mon avis n'est pas très grave, et le plus grave de l'affaire, c'est qu'ils jettent le discrédit sur les scientifiques qui ont obtenu ces résultats, et ça, ce n'est pas admissible. Je voudrais dire que la journée du 2 juin 2005 a vraiment été une très grande journée pour Ben Weider.